Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas refait une vidéo. Ça fait même trop longtemps. Je m'en excuse. J'ai mille et une raisons de ne pas avoir fait de vidéo. Mais évidemment, ce ne sont pas des raisons valables. Je suis un feignant, donc désolé. Donc j'espère que vous aimez bien déjà la qualité du son, de l'image, de la webcam. Donc voilà, c'est cool. Et on va commencer. Et je vais pas encore faire une vidéo sur laquelle j'explique les raisons pourquoi je me suis absenté. Je vais plutôt vous présenter du coup ce que je vais faire. Donc du coup, j'ai avec moi sur mon étagère, je l'ai oublié, j'arrive tout de suite. J'ai acheté un classeur pour m'organiser dans mes vidéos YouTube. Donc dans ce classeur, il y a, c'est vrai qu'on dirait un classeur d'écolier. J'ai vraiment fait ça à l'école, quoi, à la collégienne. Donc voilà, donc là il y a tout le programme. Je ne sais pas si vous allez voir avec la magie de la webcam. Donc voilà. Ouais, vous pouvez lire carrément. Ça c'est cool. Avant c'était pas possible. Hein. Alors, en 1, il y a les idées de vidéos, 2, il y a les vidéos futures, donc celles que je vais faire parmi les idées de vidéos. Là, 3, il y a l'organisation des vidéos. Ensuite, je ferai un calendrier de vidéos. Sur la 5e intercalaire, il y a les vidéos qui sont déjà faites. Comme ça, pour ne pas refaire des vidéos que j'ai déjà faites, comme ça, je ne suis pas perdu. Ensuite, en 6, il y a les idées des shorts. En 7, les futurs shorts parmi les idées des shorts. En 8, il y a le calendrier. Et en 9, les shorts que j'ai déjà fait. Ensuite, en 10, il y a les futurs lives. Donc, il y aura les idées avant, évidemment, puisque je n'ai pas assez d'intercalaires. Le calendrier des lives et les lives qui sont déjà passés. Donc, ça, voilà, ça, c'est un truc qui m'aidera à m'organiser. Et si vous voulez, je peux vous dire déjà les vidéos qui vont apparaître sur ma chaîne prochainement. Donc il y a deux vidéos, il y en a une déjà qui n'est pas sortie, que il y a deux vidéos que j'ai tournées cet été où j'ai été à l'exposition Pop Air. Donc celle-ci, c'est un vrai vlog dans Paris que j'ai fait. C'était super drôle et tout. Je ne sais pas si vous allez m'en vouloir que je la poste presque 6 mois après. Là, c'était au mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. On est au mois de mars, donc 7 mois. Est-ce que je la poste ou est-ce que je la poste pas? Mettez ça en commentaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, etc. etc. Mettre la cloche, commentaire, partage, etc. Vous faites comme vous voulez. Aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il y a une autre vidéo. Celle-ci, c'est... Oh merde, je ne me souviens plus, excusez-moi. Le salon de l'automobile que j'ai visité au mois de novembre, ça c'est pareil, ça fait plusieurs mois. Donc dites-moi aussi si ça vous gêne que je la poste ou pas. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Donc le titre de la vidéo, de cette vidéo là, donc il faut que je change de méthode. Parce que je suis sur YouTube, pourquoi? Pour m'amuser? Non. C'est pas la base des bases. C'est un sujet qui peut faire polémique et drama. C'est vrai que les premiers YouTubeurs qui sont arrivés sur YouTube et qui ont des millions d'abonnés disent... Ouais, vous venez sur YouTube que pour le kiff, que pour le fun, pas pour l'argent. Du coup, moi, je me suis dit, en voyant les YouTubeurs gagner de l'argent, je me suis dit, si on peut kiffer et en même temps gagner de l'argent, c'est génial. Sauf que moi, je m'intéresse qu'à l'argent. Donc, voilà. Donc, évidemment, je kiffe pas. Donc, du coup, vous voyez les vidéos. J'en fais une par mois. C'est pas trop de ma faute non plus. C'est pas trop de ma faute parce que, en même temps, je tombe malade une fois par mois depuis le mois de novembre. Je sais pas ce qui se passe. Là, au mois de février, j'ai été malade 10 jours après avoir été à Paris. Au mois de janvier, c'est pareil.
quand j'étais voir ma soeur, qui est à Paris. Ensuite, je suis tombé malade. Donc voilà, au mois de décembre, j'étais malade du mois de novembre du Covid. Et au mois d'octobre, le salon du chocolat aussi, j'étais malade. Voilà, donc je ne sais pas si je m'emmêle les pinceaux. Je ne sais pas, cette vidéo ne va pas trop vous plaire. Donc maintenant, le changement de méthode, du coup, ça va être, je suis sur YouTube que pour le kiff. Parce que j'ai vu l'autre soir un live. Et je me suis dit, il kiffe bien et tout, mais moi je me dis, j'aimerais bien kiffer aussi. Donc c'était sur un live RP. Et moi aussi j'aimerais bien faire du RP. Tout ça c'est dans le classeur. Et j'espère que je vais vraiment continuer à me lancer. Parce que ça fait depuis déjà le mois d'août, plus de 8 mois, plus de 10 mois que je me dis, oh le premier du mois, je vais mettre cette date. Dans mon classeur en me disant que j'ai commencé YouTube maintenant, mais il faut toujours qu'il y ait un truc qui n'aille pas, machin, soit la fatigue, soit la maladie, soit un problème familial qui m'empêche de tourner des vidéos. Voilà, c'est compliqué. Là, ça va mieux. On est le 1er mars, il fait soleil, le printemps revient, et je me sens motivé à faire des vidéos. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'ai envie de faire une vidéo. Voilà. Aussi, j'ai envie de faire un truc, c'est un bonus. Donc ça, je ne l'ai pas mis dans le titre de la vidéo, mais on va ouvrir un petit booster. Donc c'est un petit booster que j'avais gardé de chez Leclerc. Ils sont là. Ça, c'est pareil, c'est dans des futures vidéos. J'ai des boosters ici, je vais les ouvrir. Mais ici, on a un petit booster que j'ai pré-ouvert. Donc, vous savez, c'était à Leclerc, tous ceux qui ont des Leclerc près de chez eux. Il y avait une opération où à chaque fois qu'on achetait 10 euros de course, on avait des cartes Marvel comme celle-ci. Donc voilà. Donc ça date de 2022. Et j'en ai de 2023 aussi. Où... Non, ouais, bref. Donc j'ai ouvert un petit booster. Donc on va voir tout de suite ce qu'on a. Donc déjà, on a la carte Courage. Courage plus 3. Donc vous voyez ici. Donc la mise au point ne se fait pas instantanément. Donc voilà. Là ici on a Monsieur Fantastique, une carte holographique quand même, qui a l'air vraiment bien. Je sais pas si on voit l'holographisme à la caméra. Elle est pas mal, hein? On a Shuri en numéro 20 ici. Voilà. Ensuite on a Iron Man. Hop, ici. Voilà. On a une intelligence plus 2. Ici. Faudrait que je m'organise pour faire des ouvertures parce que là, c'est pas marrant pour vous. On a Venom. Ici. Allez. C'est vrai que les mises au point, ça serait bien qu'elles soient plus rapides. On a Carnage. Ici. Et enfin, on a Miles, donc Spider-Man en noir. J'aime bien cette carte. Elle est pas mal, je trouve. Donc l'autre est tombée par terre. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous faire la vidéo, comme je vous ai dit au début, de l'exposition Pop Air, où je nage littéralement dans une piscine remplie de plus de 1 million de balles. Je vous fais des bisous, à la prochaine. Bisous.